Il m'a dit qu'il voulait ce cadeau, et après il m'a dit qu'il voulait pas, et quand je lui ai dit que tu m'as dit que tu voulais, il m'a dit bah non, en fait je voulais pas. Michel a bien résumé la situation. Comme lui, de nombreux parents sont venus tôt ce jeudi matin pour échanger leurs cadeaux. Franck, qui les accueille, s'attaque tout de suite à cette voiture télécommandée qui ne fonctionne pas. Donc on a fait un test, on a remarqué qu'elle reculait correctement, elle avançait un petit peu, puis ensuite elle s'arrêtait. Donc il y a peut-être un problème de fréquence ou un problème de pile, on va vérifier tout ça. Gaëtan, grand-père de deux petites filles, est lui venu faire réparer une poupée. Ah là là, quand elle a ouvert le cadeau, elle était contente. On a défait les cartons, hein. La petite sœur fonctionnait, elle. Mais non, mais regarde, la mienne, elle ne parle pas. Pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle parle pas? Alors, c'était le pleur, quoi. Il a fallu la consoler, quoi. Et quelques minutes plus tard... Ben ça y est, je vais te ramener la poupée. Hein. Le Père Noël, il n'était pas là, mais il y avait un monsieur qui a été très gentil, qui m'a changé la poupée. Hein. Elle fonctionne. Le Père Noël n'aura donc pas déçu bien longtemps.